Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette très jolie pochette, donc super jolie. Elle est faite en i-cord, vous voyez. Elle est super légère. Et voilà donc ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc il y a un bouton clipseur pour l'ouvrir, c'est très facile. Et voilà comment est présenté l'intérieur, vous voyez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des passeports, des papiers, enfin vraiment ce que vous avez envie. Pour aller en soirée par exemple, ou en été quand on veut sortir avec le strict minimum, cette pochette est parfaite. Vous pouvez lui mettre également une anse, vous pouvez le faire de beaucoup de façons possibles, en crochet, enfin, ce que vous voulez. Ici, vous l'accrochez et ça vous fera un sac en bandoulière. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner donc les mesures. Donc de largeur, il fait 26,5 cm. Donc 26,5 cm. D'hauteur, de la base à ici, 18 cm. Et cette partie-là, juste pour vous donner une idée, au fur et à mesure que vous le faites, fait donc jusqu'au picot ici, 14 cm. Donc voilà les mesures du sac. Pour réaliser la pochette, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4, du fil à coudre avec une aiguille à coudre pour coudre le bouton clipseur qu'il y a juste ici. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine avec le gros trou et d'i-cord. Donc en fait, je vous explique comme vous êtes vraiment nombreuses à avoir acheté donc dans ma boutique de l'i-cord pour faire de nombreux projets comme le sac fleur, enfin le vanity. Il vous reste sûrement de l'i-cord à la maison, des fonds de pelote, et du coup cet ouvrage il est parfait pour vous. Ici, de la couleur principale, il vous faudra une pelote, donc presque, vous allez quasiment la finir pour cette partie là mais pour toute cette partie là ça vous permettra de finir tous vos fins de pelote. Voilà, donc ce modèle il est spécial pour les personnes qui ont plein de fins de pelote. Et vous pouvez également le faire bien évidemment couleur unie ou en seulement deux couleurs, enfin vraiment ça c'est après, c'est au choix. Et c'est tout, tous ces matériaux là vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Je précise juste que le bouton clipseur que j'ai utilisé pour mettre à l'intérieur est de 15 mm, donc ce n'est pas de 19 mais de 15 à coudre. Vous voyez? Voilà, j'ai mis couleur bronze, mais bon, ça, vu qu'il ne se voit pas, vous pouvez mettre celui que vous avez envie. Il y a doré, argenté et couleur bronze. Voilà. Sur ce, on va commencer. Je vous ai préparé une seconde pochette. Donc, pour les personnes qui me suivent sur ma page Facebook, vous avez pu voir donc la première pochette. Et là, j'ai fait une deuxième pochette. Voilà. Donc, j'en ai fait deux pour pouvoir offrir deux pochettes, justement, au lieu d'une. De faire plaisir à deux personnes, c'est toujours mieux qu'une seule. Donc voilà, j'aimerais vous offrir à toutes, bien sûr, une pochette. Mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, ça m'est impossible. Donc voilà, je vous en offre deux. Donc tout simplement pour les remporter, il suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc lydiacrochettricot.com. Et toutes les commandes que j'aurai reçues de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à cette date-là que je vous ai marquée en haut de l'écran, je tirerai au sort deux numéros de commande et ces deux personnes-là recevront à la maison une pochette chacune. Voilà, j'espère que ça leur fera plaisir. Sur ce, oui, on peut commencer. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant cette partie-là, donc du dessus de la pochette. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 4 mailles en l'air. Donc on prend notre crochet numéro 4 mm et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a les 4 mailles chaînettes, on va venir piquer dans la première des 4. Vous voyez? On pique dedans et on ramène le fil et on va faire la maille coulée. Vous voyez? Maintenant, ici, c'est formé un tout petit cercle. Ici, c'est ici qu'on va venir travailler. Donc, on va venir lever maintenant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Maintenant, après ces 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on va en faire 8 autres. Donc toujours dans l'anneau. On vient piquer. On fait une deuxième. Toujours au même endroit.
une troisième bride, toujours au même endroit, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième. Donc attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième. En fait, au total, avec les trois mailles en l'air de départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 brides au total. Maintenant, après ceci, on va changer de couleur. Donc moi, j'ai choisi de changer de couleur à chaque fois puisque je trouve ça trop joli pour l'été, personnellement. Multicolore comme ça. En plus, il va aller plus facilement avec plein de tenues. Du coup, puisqu'il sera multicolore. Maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air et vous allez venir tirer le fil. Et ce fil, on l'ajuste. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. Le fil du départ, ajustez-le aussi. Et ça, c'est ce qu'on doit obtenir maintenant. Maintenant, on va venir se rattacher avec une nouvelle couleur. Vous prenez la couleur de votre choix. Donc là, je vais changer un petit peu. Je vais prendre la couleur saumon. Avec la nouvelle couleur, on va venir se rattacher sur la troisième maille en l'air. Comme on va changer de couleur à chaque rang, on ne va pas tourner l'ouvrage, vous voyez. On va vraiment se rattacher, en fait, du côté opposé de là où on a coupé le fil. Donc vous venez ici à la base et vous avez les trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Vous venez piquer dans la troisième et vous allez venir ramener la nouvelle couleur. Après ceci, vous allez faire une, deux, trois mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus une de séparation. On va venir tout simplement sur chaque bride qu'on a ici au centre, on va venir faire un point pouf de trois jetés. Mais la dernière, vous la laissez libre. Vous voyez, dans la première et dans la dernière, il n'y aura pas de point pouf. Donc, on va se concentrer sur les sept brides qui sont au centre. Donc on vient dans la suivante directement, tout en cachant le fil, hein, tant qu'on y est, le petit fil, et on vient faire le premier point pouf. Donc je recommence, vous faites un jeté sur le crochet, vous venez piquer dans la bride suivante, vous ramenez votre fil, et vous le tirez à l'hauteur des trois mailles en l'air, vous voyez. Maintenant, un jeté, on pique toujours au même endroit, on ramène le fil et on tire. Un jeté, on pique au même endroit, on ramène le fil et on tire. Une fois qu'on a tout ça sur le crochet, donc vous devez avoir la première boucle, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. Sept boucles sur le crochet. Une fois qu'on a tout ça, vous faites un jeté et vous passez à travers six boucles. Donc la dernière, vous la laissez. Maintenant, un jeté et on termine. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, chaque point pouf, on va venir le séparer avec trois mailles en l'air. Une, deux et trois. On vient sur la bride suivante et rebelote. On fait pareil. Un, deux, trois. On passe à travers ici les six boucles. On laisse la septième tranquille. Et une fois qu'on a ces deux boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers ces deux boucles. De nouveau, on sépare avec trois mailles. Une, deux, trois. On vient sur la bride suivante et c'est reparti. On fait exactement la même chose. Un jeté, deux, trois. Une fois qu'on a ceci, vous passez à travers vos six boucles. Un jeté à travers les deux dernières boucles. Et maintenant, n'oubliez pas de séparer à chaque fois par les trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Vous voyez ? Là, on a trois points pouf. Au total, il vous en faut 7 et on se retrouve. J'ai terminé mes 7 points pouf, vous voyez. Donc maintenant, pour terminer le rang, vous allez le terminer en faisant une maille en l'air de séparation et sur la dernière bride qu'il nous reste ici, vous piquez et vous allez faire une bride. Là, nous avons complètement terminé le rang numéro 2. Donc, on va venir couper
toujours la couleur. Donc moi dans mon cas, personnellement, je coupe un beau morceau. Je fais une maille en l'air et je tire mon fil. Je l'ajuste et je suis prête pour commencer un nouveau rang. Vous voyez? En fait, vous devez toujours vous raccrocher avec la nouvelle couleur du côté droit et pas du côté gauche. Vous voyez, le côté gauche, c'est là où on coupe. Eh bien, nous, on se rattache de ce côté-là. Donc, je prends ma nouvelle couleur. J'ai choisi de prendre le turquoise. Je vais venir tout à droite, comme je vous disais, et je compte. Ici, on avait fait les 4 mailles en l'air, n'oubliez pas. Vous venez compter 1, 2 et 3. Je pique dans la troisième maille. Je récupère mon fil. Et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus 1, 2 séparations. Après mes 4 mailles en l'air, tout simplement ici, on va venir travailler exactement où il y a les 3 mailles en l'air ici. Ici au milieu, entre point pouf et point pouf, vous piquez et vous venez faire, on va faire un point ananas. Donc de 3 brides sans terminer qu'on termine ensemble. Donc on fait une bride sans terminer. Au même endroit, on en fait une deuxième. Au même endroit, on en fait une troisième. Une fois qu'on a les 3 brides sans terminer, vous voyez, on les termine toutes les 3 en même temps, ensemble. Une fois qu'on a terminé ces 3 brides, vous voyez, vous devez avoir comme un petit cupcake qui s'est formé. Vous faites un jeté et vous terminez les 2 boucles. On sépare avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et exactement au même endroit, je refais la même chose. Donc un autre point ananas, 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Une fois qu'on a les 3 brides sans terminer, on fait un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et là, il nous reste 2. Un jeté, je termine les 2. Vous voyez? Donc maintenant, pour séparer ce motif-là au suivant, on ne fait rien du tout. On passe directement ici, dans les 3 mailles en l'air suivantes. Entre point pouf et point pouf, et on refait exactement la même chose. Donc 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Je fais un jeté et je termine les 3 boucles. Un jeté, je termine les 2 dernières. Vous séparez avec 3 mailles. 1, 2, 3. Et au même endroit, de nouveau, un autre point ananas. Donc vous pouvez pousser votre point ananas pour vous laisser la place pour faire le second. Donc on fait 1, 2, 3. Un jeté et je termine les 3. Un jeté, je termine les 2 dernières. Et entre groupe de 2 point ananas et groupe de 2 point ananas, vous ne faites rien pour séparer. Vous continuez d'office. Donc ici, vous venez dans l'autre espace et vous faites exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qu'il va vous falloir répéter, vous voyez, jusqu'à terminer tout votre tour. J'ai terminé mon troisième rang. Maintenant, vous avez juste une chose à faire, c'est couper votre fil. Maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Et tirer le fil. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est se rattacher avec une nouvelle couleur. Donc moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur jaune. On va passer maintenant au rang numéro 4. Donc vous prenez votre nouvelle couleur, si vous avez choisi de le faire en pleine couleur. Et vous venez, n'oubliez pas, regardez, vous venez du côté droit. Et vous venez vous accrocher ici, toujours pareil, on avait 4 mailles en l'air, donc dans la troisième. Vous piquez. Vous ramenez la nouvelle couleur, comme ceci. Et avec la nouvelle couleur, on va venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. De nouveau, 3 qui équivaut à une bride et 1 pour séparer. Maintenant, dans les espaces qu'on a, donc entre point ananas et point ananas, on avait fait les 3 mailles en l'air. Dedans, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4
5. Après les 5 brides, on va faire une maille de séparation. Et dans tous les espaces où vous allez voir les 3 mailles en l'air ici à chaque fois, vous voyez, vous allez faire les 5 brides. Donc on recommence. Faites une. Vous pouvez la pousser un petit peu vers la droite. Maintenant, une deuxième. Trois. 4 et la cinquième. Une maille de séparation. Je vais dans l'espace suivant, toujours pareil, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation et vous allez continuer de cette manière jusqu'à terminer. Ici, on se retrouve. J'ai terminé presque tout mon rang, donc à la fin, vous terminez par une maille en l'air juste après le groupe de 5. J'ai fait ma maille en l'air. Vous terminez sur la dernière bride. Vous faites une bride. Maintenant, une maille en l'air. On vient couper le fil et on tire. Là, nous avons terminé avec la couleur jaune. On va commencer maintenant le cinquième rang. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, le cinquième rang. Toujours pareil du côté, vous voyez, vous vous raccrochez du côté où il y a les mailles en l'air. Et vous venez chercher la troisième. On va venir se rattacher. Et on commence en faisant une maille en l'air. Ici même, donc dans la troisième maille en l'air, vous commencez par une maille serrée. Maintenant, vous allez faire une et deux mailles en l'air. Maintenant, vous venez sur le groupe de 5 brides. Dans la première des 5, vous faites une maille serrée. Et vous allez venir faire une maille en l'air. Après la maille en l'air, on va venir ici. Vous voyez, dans cette maille serrée, là, vous avez un bout de fil ici, un bout de fil ici. Vous attrapez ces deux morceaux. Vous voyez, vous passez le crochet en dessous. Vous ramenez le fil. Et vous faites une maille coulée. Et en fait, là, on a fait un petit picot. Vous voyez? On va dans la bride suivante, donc la deuxième des 5. On pique une maille serrée. Maintenant, vous faites une, deux et trois mailles de séparation. Vous allez venir sauter là, la bride qui est au centre, la troisième. Et sur la quatrième, vous faites une maille serrée. Maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air et on recommence le picot. Donc on vient récupérer ces deux morceaux de la maille serrée. Donc vous en avez un ici, un ici. Vous venez passer à travers ces deux. Vous récupérez votre fil, vous le faites couler. Maille coulée. Vous voyez? Là il s'est formé de nouveau un autre petit picot. Vous terminez en faisant une maille serrée sur la cinquième des brides. Vous voyez ce que ça donne? Maintenant entre motif et motif, vous faites une maille en l'air. Et on recommence exactement la même chose sur le groupe suivant. Donc sur la première des brides, vous faites une maille serrée, une maille en l'air, vous voyez, je viens passer juste en dessous ces deux petits morceaux, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je viens sur la bride suivante, la deuxième, maille serrée. Maintenant, trois mailles en l'air, une, deux et trois. Pareil, je saute la bride du centre, la troisième on la saute, on vient sur la quatrième et on fait une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air, je viens récupérer la base, vous voyez, de ma maille serrée et je fais une maille coulée. Sur la dernière des brides, la cinquième, une maille serrée pour terminer. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Et n'oubliez pas, dès que vous finissez un motif, avant de passer au deuxième, vous faites une maille en l'air de séparation. Et là, vous recommencez. Vous voyez exactement ce qu'on a fait ici. Vous le répétez tout le tour. J'ai quasiment terminé tout mon rang. À la fin, vous terminez par une et deux mailles en l'air de séparation. Vous allez sur la dernière bride que vous avez. Vous piquez et vous terminez par une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air. On va venir couper le fil et tirer. On ajuste et là, nous avons
Terminé complètement le rang numéro 5. Maintenant, on va passer au rang numéro 6. On va venir maintenant commencer le rang suivant. Donc, je viens comme d'habitude ici m'accrocher où il y a les mailles en l'air. Vous les voyez clairement ici. Donc, du côté opposé où il y a tous les fils. On vient s'accrocher sur la maille serrée et on ramène la nouvelle couleur. Avec cette nouvelle couleur, je fais 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Après les 5 mailles en l'air, on va venir tout simplement... Alors, attendez que je fais un petit peu de place. Ici, vous avez les mailles en l'air. Vous voyez qu'on avait fait au rang précédent. Donc, les 3. Dedans, on va venir faire 6 brides. 1. 2. 3. 4. 5 et 6. On sépare ceci avec deux mailles en l'air. 1, 2. Je vais dans les mailles suivantes, donc les mailles ici en l'air, vous voyez, ces deux picots, vous les sautez, vous allez où il y a les trois mailles en l'air seulement. Et vous venez de nouveau refaire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Et on répète 2 mailles de séparation. On vient ici, donc sauter ces deux picots, dans les mailles en l'air suivantes, pareil, 6 brides. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout au long du rang. On va terminer le rang comme on l'a commencé, donc en faisant tout simplement 1, 2, donc deux mailles en l'air et on termine par une bride sur la dernière maille serrée. On vient et on fait une bride. Une maille en l'air et je peux couper ma couleur pour changer de nouveau de couleur. Donc on va faire un dernier rang et ce sera terminé. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on passe à la nouvelle couleur que vous avez choisie. Donc moi personnellement, là je vais prendre la couleur saumon de nouveau. Pour faire un petit rappel au petit pétale ici. Donc, avec la nouvelle couleur, on vient s'accrocher justement, comme d'habitude, où il y a les mailles en l'air. Donc, je pique mon crochet dans la troisième maille en l'air. Je viens récupérer ma nouvelle couleur et je fais une maille en l'air. Ici même, vous allez venir faire une maille serrée. Maintenant, ici, vous avez les deux mailles en l'air. Donc, dans la première des deux, vous faites une maille serrée. Et vous faites une maille en l'air. Je viens récupérer la base de ma maille serrée, comme on avait fait ici pour les petits picots, et je fais une maille coulée. Après mon picot, je viens tout simplement sur la première des brides, et je fais une maille serrée. Sur la bride suivante, la deuxième, je fais une maille serrée, une maille en l'air, et je reforme un picot. Donc exactement comme je vous ai montré. Maintenant, de nouveau, une maille serrée, et une deuxième. De nouveau, une maille en l'air et je ferme mon petit picot. Et je recommence. Deux mailles serrées. Une. Deux. Une maille en l'air, je reforme mon petit picot. Maintenant, ici au centre où il y a les deux mailles en l'air, je vais venir piquer dans la maille. Donc, il y en avait deux. Dans la première des deux, je fais une et je passe à la bride. Directement. Et je fais une deuxième maille serrée. De nouveau, je reforme un petit picot, une maille en l'air et la maille coulée. De nouveau, deux mailles serrées. Une, deux. Une maille en l'air, je forme mon petit picot. Et vous allez faire ceci jusqu'à terminer le rang. Vous voyez, deux mailles serrées. Une, deux. Je forme mon petit picot. Maintenant, de nouveau, deux mailles serrées. Donc, une et la deuxième sur la première des deux mailles en l'air qu'on avait fait de séparation. Après ma deuxième maille serrée sur la première des deux mailles en l'air qu'on avait fait, vous voyez, je reforme mon picot. Une maille en l'air, maille coulée.
De nouveau, deux mailles serrées. Une et une deuxième. Une maille en l'air, je forme mon picot. Deux mailles serrées. Une, deux. Et de nouveau, un picot. Une maille en l'air, je fais ma maille coulée. Deux mailles serrées. Une, deux. Une maille en l'air, je forme mon picot. Et de nouveau, les deux mailles serrées. Donc la première des deux, sur la première maille en l'air des deux, vous voyez. Et je passe directement ici au groupe. Les deux mailles en l'air, chaque fois qu'on avait fait deux séparations, on va prendre en compte que la première des deux à chaque fois. La deuxième, on la saute. Voilà. Donc, on recommence jusqu'à terminer. Donc là, j'ai fait une maille serrée. La deuxième, je la fais sur la première bride. Une maille en l'air, maille coulée. Une, deux mailles serrées, une maille en l'air, je forme le petit picot. Et quand vous arrivez à la fin du rang, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc après ceci, vous terminez, donc j'ai fait mon dernier picot, ici sur ma maille en l'air. Vous voyez, c'est tombé comme ça. Maintenant, vous terminez en faisant sur la dernière bride que vous avez, une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air. Vous coupez votre fil et vous tirez. Vous voyez, là nous avons terminé complètement notre base pour notre pochette. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est, vous allez venir cacher vos fils, vous voyez, par rapport à vos couleurs. Donc vous prenez une aiguille à laine et vous allez tout simplement, par exemple, je prends cette couleur, donc la dernière, le saumon, et ne cachez pas par le violet ou quoi que ce soit la couleur. Vous venez dans la couleur saumon, vous voyez, il faut respecter, parce que sinon ça va se voir. Donc vous cachez, si c'est couleur saumon, dans la couleur saumon. Si c'est couleur rose fuchsia, ben dans la couleur rose fuchsia, vous voyez. Et vous respectez, du coup, ça va être beaucoup plus discret. Une fois qu'on a caché notre fil, on va venir tout simplement prendre le ciseau et couper. Et vous allez faire ceci pour chaque couleur que vous avez à cacher, vous voyez. Tous ces fils-là qu'on a cachés pendant longtemps, par contre, vous voyez, quand le point nous le permet, on peut les couper puisqu'ils sont cachés depuis super longtemps ici, vous voyez. Donc là, une, deux, trois, vous voyez. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à terminer de cacher tous vos fils. Et on se retrouve. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait en fait toute la partie principale de la sacoche, vous voyez. Donc pour faire cette partie là, on va commencer en faisant une maille chaînette qu'on va unir et on va travailler en circulaire. Alors avant de commencer, moi personnellement j'ai uni chaque rang, ce qui a créé en fait, ça se voit pas, attendez, je sais même plus, c'est là que j'ai uni les rangs, vous voyez. Donc moi personnellement je ne le vois pas, mais vous voyez, c'est léger, léger, léger ici. Mais si vous ne voulez pas donc que ça se voie, donc vraiment que ça soit invisible totalement, vous allez travailler en spirale et donc ne pas unir les rangs, mais les commencer directement. Comme quand on fait un amigurumi et qu'on travaille en spirale. Donc, on va prendre notre I-cord et pour faire la base du sac, vous allez commencer par monter une maille chaînette de 64 mailles. Donc, la première serrée là, ça va vous faire un nœud. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous allez continuer jusqu'à en avoir 64. Donc moi, personnellement, je vais continuer encore un petit peu.
Donc là, pour vous montrer, j'ai mis 20 maïschenettes. Mais vous, comme je vous disais, vous en avez 64. Donc une fois que vous avez vos maïschenettes, vous allez venir tout simplement unir. Vous voyez, tourner votre maïschenette comme ça. Vous allez piquer dans la première maille et unir la maille 64 à la maille numéro 1 par une maille coulée. Vous voyez ? Maintenant, on fait une maille en l'air et ici même, vraiment dans la première maille, vous piquez et vous faites une maille serrée. Et tout le rang entier, vous allez travailler en maille serrée. Dans chaque maille, vous faites une maille serrée. À la fin du rang, vous aurez 64 mailles serrées. J'ai complètement terminé mon rang, vous voyez, et en fait, vous allez voir que vous avez un décalage entre ici et ici. C'est normal. Ensuite, vous voyez, quand on va coudre, ça va même plus se voir. Donc ça, vous passez complètement outre. Donc maintenant, moi, comme je vous disais, comment j'ai uni tout le long? Moi, j'unissais en faisant comme ça. Donc tout simplement, la dernière maille serrée à chaque fois du rang, je la faisais sans terminer. Et j'unissais également le brin arrière de la première maille. Donc je piquais dans le brin arrière, je ramenais mon fil et je faisais ma maille coulée. Donc moi, c'est comme ça que j'ai travaillé en fait. Maintenant, si vous ne voulez pas de démarcation, mais vraiment aucune, tout simplement ce que vous allez faire, donc vous faites votre dernière maille serrée, et tout simplement on commence directement le rang, on n'unit pas. Donc vous montez sur la première maille, et vous faites une maille serrée normale. Dans la maille suivante, on prend le brin arrière et on fait une maille serrée. On prend dans la maille suivante les deux brins, et on fait une maille serrée normale. Le brin arrière de la maille suivante, vous voyez, ça c'est le point qu'on va utiliser. On alterne une maille serrée que l'on va faire tout à fait normale, et la suivante, on prend que le brin arrière. Donc vous continuez de cette façon, vous voyez. Je vais juste vous montrer ce rang, si vous faites cette tactique, comment de nouveau on recommence le troisième rang. Donc vous alternez une en prenant le brin arrière, une en prenant les deux brins. Une avec le brin arrière, une avec les deux brins. J'atterris ici à la fin de mon rang, donc moi je le vois à l'œil nu. Mais si vous voulez travailler en spirale, ce que vous allez faire, c'est prendre un marqueur. Donc vous prenez un marqueur et la première maille, en fait, à chaque fois, vous la marquez. Je vais vous montrer là. Ici, on atterrit dans la première maille. Et ce que je dois faire, c'est l'inverse de ce que je vois en bas. Donc je vois que la première maille, j'avais pris les deux brins. Elle est tout à fait normale. Donc celle-ci, je dois prendre le brin arrière pour commencer mon rang. 7 mailles serrées, comme c'est la première, vous prenez le marqueur et vous venez la marquer. Ensuite, je regarde la prochaine. Et la prochaine, regardez, ça se voit clairement, il y a un trait. Quand vous voyez un trait comme ça, ça veut dire qu'on avait pris le brin arrière. Donc là, je dois prendre le brin, les deux brins en fait. Je fais exactement l'inverse de ce que je vois. Ici, j'ai pris la maille serrée normale. Vous voyez, il n'y a aucun trait. Donc, je dois prendre le brin arrière. Ici, je prends les deux brins. Vous voyez, vous alternez. Brin arrière, les deux brins. Brin arrière, les deux brins. Vous voyez? Et vous allez continuer comme ceci. Quand vous arrivez à la fin, vous enlevez le marqueur. Vous voyez, quand on sera là, on enlève le marqueur et on regarde. Ici, j'avais pris le brin arrière, puisqu'il y a le petit trait. Donc là, je dois la prendre avec les deux brins. Vous voyez? Et on va venir travailler comme ceci. Vous allez avoir l'ouvrage un petit peu décalé, vous voyez? Donc quand vous arriverez vraiment à la fin, le bord ne sera pas aussi droit que si vous faites des unions. Mais, rassurez-vous, ça se verra mais quasiment tellement pas que c'est vraiment pas grave. Donc vous pouvez travailler de cette façon. La seule chose, c'est que quand vous arriverez donc à la fin, vous enlevez le marqueur et vous unissez par une maille coulée à la première. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites le rang, comme je vais vous montrer ensuite, de mailles coulées tout autour. Sinon, si vous faites la façon normale, donc on va défaire pour vous montrer de la façon que moi j'ai fait. Donc, quand j'arrivais ici, à ma dernière maille serrée, je faisais la dernière maille serrée, sans terminer. Je viens ici sur la première maille serrée, je prends le brin arrière et je ramène le fil
et je fais ma maille coulée. Maintenant, je commence en faisant une maille en l'air et ma première maille est là. Vous voyez, j'ai que le brin avant du coup. Donc ici, je commence une maille en prenant les deux brins. Vous voyez, je pique dans les deux brins. J'ai piqué pour unir dans le brin arrière. Là, je prends les deux brins. Et je commence à faire ma première maille serrée du rang. Maintenant, je vais dans la maille serrée suivante et je prends le brin arrière et je fais une maille serrée. Dans la suivante, les deux brins. Vous voyez, le point ne change pas d'une façon ou d'une autre. La seule chose qui change, c'est l'union. Donc, on continue d'alterner une en prenant le brin arrière et une en prenant les deux. Jusqu'à terminer le rang et je vais vous remontrer comment on unit. J'arrive ici sur ma dernière maille serrée. Donc, sur la dernière maille serrée, je fais donc la maille serrée que je dois faire. Donc là, c'est le brin arrière. Vous voyez? Et je vais venir unir dans la première qui est ici. Ne vous trompez pas, ici, c'est la maille en l'air. Vous avez une petite maille ici. C'est la maille en l'air de départ, elle ne compte pas. Celle qui compte, c'est la première maille serrée. Donc ici, je vois là clairement que j'avais fait une maille serrée entière. Donc en prenant les deux brins. Donc là, je vais prendre déjà le brin arrière, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Et comme je vous disais ici, je vois que ma maille serrée est entière. Donc, je dois faire une maille serrée en prenant que le brin arrière. Donc, je repique dans le brin arrière et je fais ma maille serrée. Ensuite, ici, j'en ai une. Vous voyez le petit trait, ça veut dire que j'avais pris que le brin arrière. Du coup, je fais une maille serrée normale. Et j'alterne une en prenant le brin arrière. Une normale, une en prenant le brin arrière et une normale. Et vous allez venir travailler de cette façon. Au total, que je vous dise pas de bêtises, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 rangs. Et j'ai terminé cette partie-là, vous voyez? Donc vous continuez jusqu'à avoir vos 17 rangs et on se retrouve. J'ai complètement terminé, vous voyez ça fait une démarcation. Si vous travaillez en circulaire, il n'y en aura pas. Donc moi j'ai choisi d'unir à chaque fois, mais de toute façon ça sera sur le côté et ça ne se verra absolument pas, vous voyez. C'est vraiment discret. À la caméra ça ressort peut-être avec plus avec les lumières, j'ai l'impression. Mais regardez là, la couture elle est comme ça et ça ne se voit pas. Voilà, c'est vraiment très discret. Donc une fois que vous avez terminé de faire ce morceau-là, donc j'ai fait 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 rangs. Donc une fois que vous avez terminé, on va finir avec un tour de maille coulée. Donc tout simplement, on va travailler en maille coulée. Ici même où vous avez uni en prenant le brin arrière, comme je vous avais dit, vous piquez. La première maille coulée va ici. Et on continue, vous voyez. Vous allez faire que des mailles coulées dans toutes les mailles. Sans trop appuyer non plus, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se déforme. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à faire tout votre tour. J'ai complètement terminé, vous voyez. Donc, quand vous avez terminé tout le rang de mailles coulées, vous allez venir couper et tirer le fil. On passe ce fil-là dans une aiguille à laine et on va venir unir d'une façon plus jolie que si on aurait fait en fait une maille coulée. Donc vous venez ici dans la première maille, dans la maille suivante et vous allez faire une espèce d'union la plus discrète que vous pouvez en fait. Voilà, ce sera très discret. Là, je vais me déplacer dans la maille suivante. Voilà. Quand vous avez le résultat que vous aimez, vous allez derrière. Vous venez sortir le fil par derrière. Et à l'intérieur, on va venir faire tout simplement un petit nœud. Donc un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Un nœud simple, vous voyez.
vous ajustez et ce petit nœud, vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage, donc à travers les mailles. Donc cachez-le un bon morceau, hein. C'est un sac, on va le laver souvent, on va le toucher, on va faire plein de choses avec. Du coup, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une surprise et que le fil sorte en fait. Donc, même si ça prend une minute de plus, prenez votre temps. Une fois que vous l'avez caché un bon petit morceau, vous prenez le ciseau et on va couper. Et là, nous avons complètement terminé cette partie-là. Donc la couture, comme je vous disais, vous la mettez du côté gauche ou du côté droit, c'est pareil. Et on va venir maintenant s'attaquer ici à la couture de la partie basse. Donc vous vous préparez, vous prenez la même couleur d'i-cord que vous avez utilisée pour faire la partie principale ici. Vous allez venir couper. On fait un nœud au bout, donc je ne vais pas le doubler, l'i-cord, pour coudre. Je vais le faire tout simple. Donc moi j'ai fait un double nœud. Ce qu'on va faire, c'est que le nœud, on va s'arranger pour qu'il reste à l'intérieur. Donc, on prend notre ouvrage et on va venir rentrer donc par une maille en laissant le nœud dedans. Une fois qu'on est bien positionné, en laissant bien le nœud dedans, on va commencer à coudre. Donc on prend une maille et on prend celle d'en face. On prend une maille et on prend celle d'en face. Donc chacun là par contre, chacun fait la couture que bon lui semble. Donc maille avec maille d'en face et on continue de cette façon jusqu'à unir tout le fond. Là, il faut faire bien attention que surtout de ne pas déformer en fait votre ouvrage. Donc ce qu'on va venir faire une fois terminé, vous allez prendre deux marqueurs. Donc moi, ils sont là. Je vais venir marquer la moitié du sac ici. Donc vraiment, vous regardez, vous le mettez bien à plat et vous allez marquer la maille qui est au centre. Donc c'est plutôt celle-là. On vient et on la marque. Maintenant, on vient de l'autre côté, on fait exactement pareil. On aplatit bien et on vient marquer celle du centre ici. Une fois qu'on a marqué les deux centres, on va venir travailler ici entre les deux marqueurs et on va faire juste deux rangs. Donc on va venir s'accrocher, que je vous explique un petit peu, à l'intérieur. Ici, il y a les mailles coulées, on va les laisser. Et on va venir chercher la maille à l'intérieur. Donc vous venez tout simplement, celle qui est marquée ici, de maille, vous venez attraper celle de derrière. Et vous venez vous accrocher. Vous voyez, vous avez des mailles en fait dedans. Et vous allez faire une maille en l'air et ici même, une maille serrée. Regardez, encore une fois, je vous montre vraiment de près. Ici, on a la maille coulée qui est ici, on ne la touche pas. On vient derrière et vous avez la maille entière. Vous voyez, la maille entière et encore une maille ici. Donc, vous venez chercher celle de l'intérieur et vous faites que des mailles serrées de cette façon-là. Vous venez dans la partie de dedans. Vous voyez, vous attrapez les mailles et vous faites que des mailles serrées en attrapant bien le fil qu'on doit cacher en même temps. J'ai complètement terminé, j'ai fait 32 mailles serrées, vous voyez. Maintenant, je prends et je coupe à la fin de mon rang ce fil-là. Et ce qu'on va venir faire, c'est... On va venir faire une maille en l'air et tirer. On ajuste. Le deuxième rang
qu'on va venir faire, on va venir donc s'accrocher à droite. Donc de nouveau ici, et on va prendre les deux brins, vous voyez, de la première maille serrée que l'on a ici, qu'on avait fait, et vous venez raccrocher votre fil. Une maille en l'air, ici même, une maille serrée, en prenant les deux brins. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est respecter le motif qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc c'est-à-dire que dans la maille suivante, vous voyez qui est ici, je prends que le brin arrière, je plante mon crochet dans le brin arrière, et je fais ma maille serrée. Ici, je vais prendre les deux brins dans la maille suivante et je fais une maille serrée normale. Dans la maille suivante, je prends que le brin arrière. Et je vais venir alterner avec le point qu'on connaît, hein, qu'on a fait depuis tout à l'heure, de cette façon jusqu'à terminer le rang. J'ai complètement terminé mon deuxième rang, donc en faisant une maille entière, une maille en prenant le brin arrière, une entière, etc. J'ai terminé par une que l'on prend le brin arrière. Maintenant, une maille en l'air et on va venir couper ce fil. Mais attention, on va le couper très long. Donc très très long, c'est-à-dire à peu près 30 cm, comme ça on sera tranquille. Et on va venir coudre du coup la partie de devant. Donc déjà, on tire notre fil. Et ici, on en a deux. Vous voyez, donc le premier des deux, celui-ci, vous pouvez le cacher déjà. Comme ça, vous êtes tranquille et on n'en parle plus. Vous enlevez vos marqueurs, ça non plus, on n'en a plus du tout besoin. Et vous allez passer ce fil-là, donc le premier, dans une aiguille à laine et vous préparez le dessus. J'ai terminé, j'ai passé mon I-cord dans une aiguille à laine. Maintenant, on va venir prendre ce morceau. On va venir tourner la pochette de façon que ces deux rangs qu'on a fait sortent en évidence ici, vous voyez. Et on va venir coudre cette partie-là. Donc, vous faites bien attention de mettre le côté en droit. Vous le voyez clairement, les brides, regardez, je vais vous montrer. Si vous débutez comme ça, vous serez fixé. Regardez, ici, les brides sont de cette façon. Donc, ça, c'est à l'endroit. Et de l'autre côté, vous voyez où il y a des petites boules ici. C'est à l'envers. Donc, basez-vous sur ça. Vous voyez, il y a des boules, en fait, à chaque fois derrière. Des petites boules comme ça. Ça veut dire que c'est à l'envers. Donc, c'est pas le bon côté. Donc, l'envers, comme je vous disais, vous le plaquez comme ceci. Et on va venir tout simplement le coudre. Donc on essaye de faire une couture la plus jolie possible ici. Vous voyez? On prend un morceau ici, on passe à côté, et on prend la maille qui est en face. Et là, il n'y a pas de règles sur les mailles ni quoi que ce soit. C'est juste qu'essayer que ça fasse le plus joli possible, vous voyez? Mais ça a exactement la même largeur, donc basez-vous sur la largeur. Quand vous faites, par exemple, là, je viens de faire à peu près 5 points. Ce que vous allez faire, c'est redresser votre pochette, vous voyez, et comme ça, et vous la tenez bien. Comme ça, ça ne va pas se décaler. Vous allez coudre de cette façon tout le long et on se retrouve. J'ai complètement terminé de coudre cette partie là, regardez. Donc quand on arrive à ce stade là, à la fin on fait un nœud, tout simplement, mais toujours dans le nœud, vous le faites dans le côté, en fait, là je l'ai déjà fait le nœud, mais vous le faites du côté, voyez, avec le fil avec lequel vous êtes en train de coudre, donc dans la couleur principale. Et ensuite, et eh bien comme d'habitude, quand on fait un nœud, hein, on cache le fil. Une fois que vous l'avez caché, vous venez couper. Et là, vous avez toute cette partie-là complètement terminée. Vous voyez, vous avez une jolie pochette magnifique. Donc voilà la pochette complètement terminée. Je lui ai mis un bouton clipseur à l'intérieur, vous voyez, de 15 mm, de couleur bronze. Mais après, la couleur, ça, peu importe, vraiment, ça se voit pas à l'intérieur. Juste quand on ouvre un petit peu, mais c'est tout. Donc voilà la pochette terminée. Vous avez vu, facile à faire, rapide. Trop jolie. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Sur ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites,
à partager également vos retours sur ma page Facebook, comme ça je pourrai publier les photos sur la page Facebook. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.